qui va te battre pour la France. Tu t'engages pour la guerre en 1940 au sein de la Légion étrangère dans les Metz. Malheureusement, on se rejetait. La France occupait les postes des armes. La guerre est finie, tu es rendu à la décennie en octobre 1940. Tu ne baisses pourtant pas les bras. En février 1943, tu reprends le combat. Et le même chemin, tu engages dans la Légion étrangère. Tu seras affecté au 1er régiment étranger de cavalerie pour la durée de la guerre. Cette fois-ci, c'est la bonne. Avec ton régiment, tu prends part à la libération de la France. Débarquant en Provence, pour bousculer l'ennemi, libérant en passant la prime des villages de France. Après les deux combats d'Alsace, vous franchissez le Rhin et participez aux côtés des Alliés à la défaite définitive des armées nazies. Tu as entre-temps acquis les galons de brigadier. La guerre est finie. Tu as honoré ton contrat. Tu es rendu à la décennie. Assis à la veste, fier de la Légion. Plus tard, tu décideras d'installer en France les métropolitaine après les événements de l'Europe. Tu t'installes à Béziers comme artisan des Vénitiens de Berlin. C'est tout naturellement à l'amicale des anciens de la Légion étrangère de Mitterrand, dès sa création en 1969, et depuis, tu es resté au milieu de nous. Il y a 2 ans, nous t'avons élevé vice-président de l'ONU, titre bien mérité pour la fidélité dont tu as fait preuve au cours de ces longues années. Je m'inquiète devant ton épouse, tes enfants et ta famille, en les assurant de toute la compassion et l'amitié que les anciens légionnaires éprouvent devant ta disparition. Repose en paix pour toi. Ta vie a été bien remplie, tu as été un homme de devoir, tes descendants peuvent être fiers de toi. François, pour nous, vos camarades de la Légion, à qui la mort est devenue quelque chose de familier, nous ne verserons pas de larmes sur ton cercueil, mais nous te promettons de rester fidèle à ton image et de te garder dans nos mémoires et dans nos cœurs. Pour te rendre un dernier hommage, et te dire un dernier adieu. Je veux te dédier ces quelques vers du magnifique poème écrit par le capitaine de Bolerelli en 1875 au siège de Tuyancan. Il s'appelle « À mes hommes qui sont morts ». Lorsque l'oubli se creuse le long des tombes closes, je veillerai du moins et n'oublierai jamais. Dormez dans la grandeur de votre sacrifice, que nul remords ne vienne vous hanter. Adieu, François. Aux morts.